Liberté! Soleil, chaleur et bonne humeur, voici la recette gagnante pour cette deuxième édition des Animétés. De nouveau présents sur le quartier du port, les Animétés sont restés 6 semaines contre 5 la saison précédente. Et ce ne sont pas les seuls changements. Animété en 2018, on a décidé d'avoir un village qui s'installe en fixe. Les soirées à la piscine, les soirées thématiques sur le village, les animations à la plaine nord, les sorties en bateau sur la Seine. Bonne balade! Après, ce qui a vraiment changé aussi, c'est qu'on a eu une participation des habitants qui était plus importante. On est à plus de 10 000 participations et c'est ce qui a fait la réussite de l'édition 2018. Cette édition doit aussi son succès aux Choisiens, puisque cette année, plusieurs d'entre eux ont rejoint les équipes d'animation bénévolement. Abdel fait partie de ces jeunes bénévoles venus prêter main forte. Je connaissais quelqu'un qui travaille ici, qui demande justement à Youssouf si je pouvais apporter mon aide. Le jour même que je suis venu, Youssouf m'a directement accepté. Donc ici, on peut faire plein d'activités avec les petits et les parents. Donc dû à l'animété, ça m'a donné envie de passer mon bac. Sur le village, ce ne sont pas moins de 37 associations qui ont pu participer et se faire découvrir des Choisiens. Et parfois même partager de petits moments de complicité. Cet après-midi, c'est Capoeira pour le village avec Marie-Ange. On est venu pour faire des initiations de Capoeira. Je me sens bien de pouvoir donner, de pouvoir partager avec les gens qui sont intéressés, de pouvoir continuer à faire les cours de Capoeira sur Choisy pendant toute l'année. Grand classique des Animétés, les structures gonflables géantes sont revenues avec une rotation par semaine pour le plus grand bonheur des enfants. Jeux, plaisir et parfois sensations fortes sont au rendez-vous. Côté sensations fortes, les habitants pouvaient se rendre à la plaine nord pour y découvrir l'activité wakeboard. Et quoi de mieux pour patienter qu'un petit plongeon entre copines? Pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de venir sur le village, Animété a déployé une arme secrète, l'Animobile. Une camionnette qui se déplace tout au long de l'édition dans les différents quartiers de la ville, parfois avec un peu d'aide, comme ici avec l'espace Langevin. Les enfants sont ravis, les parents aussi. C'est varié, il y en a pour tous les âges. Voilà, il y a un peu de tous les jeux, les activités changent un peu tous les jours. Et on a la chance en plus d'avoir le petit passeur de rive qui nous emmène. Donc en plus, c'est une petite balade en bateau pour venir et c'est juste sympa avec le soleil qu'il y a. Cette deuxième édition des Animétés terminée, les équipes voient déjà un futur radieux pour cet événement festif, familial et convivial.